Salam alaikum, je suis Asia, responsable du département femmes au sein de l'IOF. Comme tous les ans, la communauté internationale célèbre la journée de la femme. Nous ne ferons pas exception cette année encore, puisque le dimanche 8 mars, au sein de la mosquée Selem et du centre culturel Adela Darwish, s'organisera la journée pour la femme. Je vais vous présenter maintenant l'équipe organisatrice de l'événement. Salam alaikum. Salam alaikum, moi c'est Amina, organisatrice du projet de la journée pour la femme. Je vous invite à découvrir l'équipe de ce projet, donc suivez-moi. Salam alaikum, moi c'est Leïla. Je serai présente le 8 mars afin de vous accueillir, vous informer et vous guider tout au long de la journée. Je vous présenterai les différentes activités de la mosquée. Notamment, vous trouverez par ici une exposition sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Salam alaikum, moi c'est Yasmine, la présentatrice de la journée. Ici, dans la salle de prière des hommes, il y aura les conférences et les activités de la journée diverses. Il y aura une conférence sur le mariage, pour le meilleur et comment éviter le pire, avec Siema Skouki. Et une deuxième conférence à deux voix, avec Dalila El-Hanati et Halima Maroujou. Comment connaître l'origine de mes souffrances pour guérir. Soyez nombreuses. Salam alaikum, moi c'est Nawel. Pour la journée de la femme, il y aura également un pôle garderie pour les enfants. Nous proposerons différentes activités, à savoir nous raconterons l'histoire de Khadija, la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis différentes activités de création, où ils confectionneront des perles, des dessins, des porte-clés, etc. Tout ça pour que les enfants puissent ensuite les offrir aux femmes qu'ils aiment. Salam alaikum, moi c'est Yasmina, du groupe Warlan Al-Achid. Ce nom vous dit quelque chose? Évidemment, nous étions là l'année dernière. Nous vous donnons tous rendez-vous cette année, car nous avons l'immense plaisir de reparticiper à la journée pour la femme, le 8 mars. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi la chorale INA. Nous vous attendons toutes avec le sourire et la bonne humeur. Salam alaikum. Salam alaikum, moi c'est Amel. Je vous invite à participer à notre nouveauté de l'année, le concours photo. Ce n'est pas une, ni deux, mais trois photos qu'il faudra présenter. Le but, raconter une histoire. Vous avez jusqu'au 25 février pour nous envoyer vos photos à l'adresse suivante. De nombreux lots sont à gagner. Soyez créatives, je compte sur vous. Salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis la responsable de stand. Donc si vous avez besoin de vous parfumer, de vous habiller, de vous soigner naturellement, venez le 8 mars, Inch'Allah, vous nous le remettrez. Et voilà, c'est comme ça que la journée pour la femme, le dimanche 8 mars, va se passer. On sera toutes là, avec l'équipe, avec la joie et le sourire, pour vous accueillir. Et surtout, on compte sur vous.